my best. Pas grosse pierre. C'est bien. On est proche. Juste à côté, 17 km loin, si vous voyez les collines là-bas. Je sais pas c'est quelle ville, Tarifa. Monsieur, vous savez c'est quelle ville à l'autre côté? Normalement c'est Barcelone. Barcelone? Oh! C'est impressionnant. Voir les trafics maritimes. Oui, je vois ça là-bas. Ouais. Hier, elle traverse l'océan vers le Méditerranée. Vers le Méditerranée. Il y avait une jonction quelque part. Là-bas. C'est quoi, je sais pas. Entre l'océan Atlantique et oui. La mer Méditerranée. Oui. Il y avait une. Oui. J'étais là-bas il y avait 2 jours. Et en passant de côté, je vois genre l'entrée du parc Petit Caris. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir. Ouais. C'est la même façon que moi. Et en fait, hier, j'ai passé par une voiture. Ouais.
vers l'axe oui. entre la Méditerranée et, oui. et l'océan. Oui. J'ai vu ça oui. et j'ai planifié qu'aujourd'hui je vais visiter. À revenir, oui. Vous êtes marocain ou bien non, non, je suis un Tunisien. Tunisien, ah, c'est pays à côté. C'est la première fois que je visite le Maroc. Oui. C'est très beau. C'est très beau, c'est très beau, ouais. Comme hier, avant deux jours, moi j'étais dans la grotte Hercules, la grue. Ouais. Là, il faut que, comme les étrangers, il faut qu'on paye pour rentrer. Genre. Pour les Marocains, eux, ils payaient genre 10 dirhams. Pour nous, il faut payer 70. Ouais. C'est quoi? Le gros, the pit. Il y avait genre. Grotte. À l'intérieur, genre, tu vois, il y a une ouverture, tu vois de l'océan et il y a des vagues qui viennent, très intense. C'était très, très, très joli, un endroit, oui. C'est pour ça. Mais ça, c'est déjà très bien. Parce que pour moi, ça, c'est prestige, c'était réservé. J'aime tes parcours tout seul. Quand il y a trop de touristes, ça dérange. Ça, c'est bien. Est-ce que Tunisie, il y a des places comme ici ou non? Oui. Oui, aussi. Ok. Il y a deux places. Il y a Indrahil et Tabarka. Tabarka. Ok. Tabarka. Oui. L'autre fois, quand j'étais à Istanbul, Turquie, Istanbul, oui, je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent de Tunisie. Parce que c'est proche. Oui, oui. Ben, je viens de temps en temps pour repartir, pour fait, voir la vie de la nuit. Les Tunisiens sont partout. Ah oui. Ouais. C'est cool. Tu es d'origine quoi? Moi, je suis d'origine chinoise. Ouais. Mais j'ai grandi au Canada, Québec, où il y a des Canadiens français là-bas. Il y a des Tunisiens au Québec. Il y a des Tunisiens, oui, je sais. Il y a des Algériens, il y a des Marocains, oui. Ouais. Il y a des Congolais, il y a un peu de tout là, oui. C'est un pays d'immigrants, voilà. Ouais. Et moi aussi, j'ai une demande pour une migration au Québec. Au Québec, oui. J'ai lancé en fait ouais. la recherche pour trouver un emploi au Québec. Oui, tu as trouvé? T'as une offre? Pas encore. Pas encore. Pas encore, ok. Je suis à la recherche. Oui, ouais. Ouais. Maintenant, c'est un temps difficile pour tout le monde. Le coût de vie là-bas était très élevé. C'est bien pour visiter de temps en temps. Hein. Moi, ouais. je dis pas des. Moins 20 degrés. Ouais, c'est très froid. Moi, tu n'as pas d'idée. Moi, je trouve que Maroc, ici, c'est la belle vie, mais le monde, il voulait gagner de US dollars, il voulait gagner de euro, il voulait quitter le pays, je comprends pas, à un moment donné, juste pour l'argent. Mais sinon, c'est un très beau pays. Oui, bien sûr. En fait, le climat de la Tunisie et du Maroc, c'est le même. L'aide du soleil. Pendant toute l'année. Ça c'est bien, genre le plus froid ici ça va être en haut de 10 degrés, ça c'est magnifique, tu vois, genre au Canada là ça pourrait juste aller en bas de 29 degrés, tu gèles. 10 degrés pour moi c'est froid, 48 degrés c'est trop chaud, c'est acceptable, ouais. Mais au Canada il y a 6 mois de neige, hein? Ouais. Et pendant l'hiver tu peux rien faire, faut que tu réalises moins ces choses-là. Moins 20 degrés, ouais. C'est stressant, ouais. C'est comme si toi, dans ton gros menton épais, mais tu es toujours froid. Oui, c'est ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais le plus important, c'est de trouver un travail là-bas. Genre, pour des loyers, c'est très très cher. Pour des immobiliers, c'est très très cher. Le coût de vie, c'est pas... Ça a explosé. Oui. Franchement, j'ai vu que à Tanger, ouais. Le rapport prix-qualité, il est raisonnable. C'est bien. Moi, je trouve que la ville était propre et sécurité. Et aussi, c'est... Je trouve c'est moins cher. C'est moins cher, oui, c'est moins cher. Et le monde en général sont très polis, respectueux. Ouais, c'est ça. C'est bien. Mashallah. En fait, entre guillemets, la mentalité musulmane, c'est comme ça. Ouais. Ils sont bien. Ils sont bien. C'est des bonnes Sauf personnes. Quelques points. Puis... Sauf quelques points. Bah, y a toujours quelques points qui n'ont pas. Ouais, c'est partout. Mais la majorité, c'est ça. Mmh. Lorsque tu visites aussi la Tunisie, ouais. c'est le même. J'ai pas encore. Moi, j'ai planifié mon voyage à Tunisie, en Égypte, Algérie, Égypte, prochaine année. Ou... Mais oui, je te recommande en Tunisie de visiter le Sahara.
Sahara. 10 heures. 10 heures. Moi, j'étais déjà dans 10 heures. Moi, j'étais en Mauritanie pour un bon bout de temps. Oui. Oui, je vois des chameaux. Oui. Je vois des dunes. C'est, oui. Ça, c'est difficile. Eh bien. Enjoy. Oui, aussi. Moi, je veux promener un peu en haut, alors ouais. Bonne visite. Une dernière photo ici. Selfie time. Ok, super. On grouille. Mashallah. Le soleil, ça sort.
c'est quoi ce chemin secret? Wow! Nouvelle découverte, mon ami. Là, l'arbre de la date. En ce qui concerne l'arbre de la date, il y avait deux sexes. Moi, je savais pas avant. Il y avait la date masculine, il y avait la date féminine. Féminine, c'est celui qui donne la date comestible. Celui de masculin, c'est celui qui grandit juste très très haut et qui fait pas beaucoup de dates. Ou bien leur date, c'est pas comestible. Parce que dans la ville, ils ont planté ça juste pour être beau. Mais pour la production, il faut toujours faire confiance sur l'arbre féminin pour les dates. Grosse roche à côté de la Belvedere. Ça, c'est la place dans laquelle on était. Engager la conversation intellectuelle avec le monsieur. Et on va continuer notre chemin ici. Un chemin privé. Très servi. J'aime ça. Enfin, quand le soleil ça sort, il y a un peu de la chaleur. Un chemin secret dans le chemin secret. On va faire ça. So peaceful.
sont calmes. Honnêtement, là, c'est la belle vie ici. Afrique du Nord, c'est quelque chose.
Comment ça va? Very good. Oui, c'est bien. Alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui. More day here? Yeah. So this is my last day. Oh. My flight is at 7 p.m. Okay. So I still have some free time. I just come over. Because the other day you drive us through and then you showed us the park. It's interesting. So I just did the trail. Good, very good. You're welcome. You're welcome. Thank you, frère. Welcome. I went all the way through the rock right there. Oh, very good. And I my was walk. A, yes, yeah, yes. That's good. A long walk. I was there like early yeah. during the day, and did I was planning yes, a ton of good pictures. I was planning to visit the château. Mais ça va me coûter 70 dirhams. Je suis comme okay, laisse tomber. Yeah, it's okay. Yeah, but then again, it was a nice trail. Yeah. The entire park, it's beautiful. Yeah. Very, very big park. Very nice. Yeah. I took a secret trail. Yes. I go all the way downstairs and then I come back. Yeah. Yeah. Very. Yeah. Excuse me. You want a picture for you? No. Thank you. Ah, c'est la belle vie. Where are you going now? I have no idea. I think I'll just go to the Café Le Mirage and maybe walk in the area. Yes. Yeah, but we go to come back to the home or where we go there? Oh, me afterwards? Yeah. I go back to my workplace in Mauritania, Nouakchott. Nouakchott, yes. Yeah, so this is my annual vacation. Now it's done. So get back to the work field. Yeah. So how are you doing today? So the same trio? Okay. Yeah, the same. Yeah. Okay, good for you. Yeah, nice weather. Oh, yesterday I was at the mountain Jebel Musa, upper northeast. Oh, yes, really? Yes. Yeah. Next to the border with the city, Sitan, Spain. Yeah. Yeah. There's a lot of royal police right there. They try to catch all the immigrants, all the Africans. Yeah. Well, that was one sensitive area, but then like, it was nice. Yeah. Okay, thank yeah. you so much. Have a good trip. You too, man. Take good care. Walaikum salam. Yeah. So, you see this guy? That was my guy 2 days before. He drove us all the way to the Cap Spartel, and we just come across by this park. Pretty carries, and then today I decided to took a trail by myself, and how amazing, like the world is small, so I can encounter him again. We did a little chat, everything's perfect. Now maybe just a free walking area. Honestly, I enjoy this exploring, experiencing, engage a conversation. You learn new things every day. So, yeah, pretty much face of discovery.
Walaikum salam les amis. Je vais profiter du beau temps dans cette belle journée. Ciao, à la prochaine. Thank you.
كامل. Thank you.
Je suis là, 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 je su